Haïtien avec là et ben nous va le font petit parler avec Pascal Adrien lui-même peut-être il va dire dans quel niveau dialogue là qui ça fait déjà et qui différents secteurs ont rencontré. Nous va regarder avec Pascal Adrien qui lui-même va parler avec nous dans notre premier ministre Jean-Henri Seyan. Pascal Adrien, bonjour, bienvenue sur Radio Méga. Bonjour Radio Méga, bonjour à tout auditeur auditrice de Radio Méga. C'est un plaisir que moi j'étais disponible matin pour des échanges autour de conjoncture et politique là. Voilà. Et dans quel niveau dialogue là est là? Effectivement, alors conformément à la méthodologie qui était déjà tracée dans la proposition de pacte de gouvernabilité que certainement Radio Méga gagne à disposition, c'est gagné d'abord une phase de pré-dialogue. Et après cette phase de pré-dialogue là, c'est à voir dialogue là à proprement parler. Une différence fondamentale entre dialogue là et dialogue là, c'est niveau formel question. Ok. Dans le dialogue là, pas de voie de correspondance officielle, alors que dans le dialogue là, c'est dans ça que nous sommes. Donc présentement, c'est différents secteurs qui commencent graduellement à recevoir des invitations pour un chita parler formel. Ok. Ouais, autour de table et dialogue là. Donc, c'est pratiquement là que nous y est, les leaders de la société civile, différentes organisations représentatives de la société civile, des partis politiques de toute sensibilité idéologique. Donc, et dans le moment que nous avons parlé là, c'est pratiquement, et chita dans des formels, avec des groupes organisés, tant de la société civile qu'au niveau de Sanrélé politique, à proprement parler, hein. Et il y a un pile secteur qui fait le devoir pour répondre à l'invitation et pour chita, pour dire mais ceux qui sont d'accord, mais ceux qui ne sont pas d'accord, pour ensemble nous peaufiner le pacte de gouvernabilité qui ont véritable accord sur des accords que nous avons entre nous. Donc c'est pratiquement là que nous sommes. Alors qu'on nous dit que il y a le secteur démocratique et populaire qui répond à demande de chita attendu que PM n'a pas voyé Baroua. Mais faut nous dire que nous-mêmes, nous sommes très sensibles et à un certain formalisme, si nous avons comme ça. Okay. Et en principe, que nous avons là-dedans, qui est le parallélisme des formes. Mm-hmm. Donc, la forme que mon qui est en face n'a exprimé, c'est exactement dans la même forme que réponse dans les mêmes livres. Okay. Étant donné que ce n'est pas ton déclaration publique, d'abord, que le secteur démocratique l'a fait, mais son lettre formelle que l'adresse de l'IPM, eh bien, il est clair que le Premier ministre va faire le devoir pour que lui-même tout, lui réponde dans la même forme que le secteur démocratique l'a employé. Qui voilà ça le dit? Qui ça le dit, secteur démocratique et populaire? Là, on va parler de l'aile du opposition. Bon, je ne sais pas qu'on est, qui vont qualifier l'aile, alors, je ne vais pas entrer dans en considération ça, mais c'est le secteur démocratique. Oui, là, ça n'a parlé de, André Michel, Philippe Louis Doyo, de Mounzaïo. Oui. Alors, il y aurait les secteurs là, ou bien secteur là, lui-même, les secteurs démocratiques. Et populaires. Et populaires. Mm-hmm. Bien, bien positionné pour nous, Pascal. Puis bien positionné, parce que l'on parle sous méga, et tout pays a net, Captain Dofort, bien passé. Vous comprenez? Puis bien positionné pour nous. Ah, ou parlez de nous bien? En forme là, ou bon là. Ok, très bien. Oui, alors justement, donc ils ont posé des conditions à ce dialogue-là. Et le Premier ministre, certainement, l'a appelé pour lui répondre dans la même forme qu'il a été exprimé position par eux. Mm-hmm. Voilà pourquoi que moi réserve le droit pour que moi tende réponse formelle Premier ministre là, est disponible pour tout le monde. Avant fin de réponse là, quelles conditions posées comme ça? Bon, moi pense que ça qui est sage, c'est ça va beaucoup parler dans le nom. D'ailleurs, moi, porte-parole Premier ministre. Là. Ok. Donc, je ne vais pas rien faire aucune. Non, mais parce que l'être là pas public, nous ne pouvons pas voir. Les publics, mais je ne vais pas rien faire aucune misinterprétation. Mais vous répondez, vous dites à rencontrer. Vous dites à Pchita. Et vous posez des conditions. Vous posez des conditions. Ok. Ouais. Donc, maintenant, il est clair que le Premier ministre aura certainement à répondre par la même voie que les recevoir réponse secteur démocratique là. Et nous croyons que c'est pratiquement ça. Alors ça qui est important dans tout ça,
c'est que aujourd'hui il y a l'éclair que il y a en pile les désaccords, l'éclair que il y a en pile différent. OK. Mais ces désaccords ça eux-mêmes qui justifient obligation pour nos chita, pour nous une carte de danger et pour nous dire pour l'avenir de ce pays, li quelque part nécessaire pour ne pas dire obligatoire que nous joignions entente, que nous joignions consensus, que nous faisons dépassement de soi, que nous transcendons, non pas par rapport à nos intérêts particuliers, mais par rapport aux intérêts supérieurs de la nation. Qui le dialogue a commencé là? Mais moi, je trouve que nous sommes déjà en plein cœur du dialogue. À qui est-ce nous parler déjà? Dans la mesure où différents secteurs de la société civile haïtienne sont impliqués dans Chita Dandio. Différents groupements politiques yo recevoir invitation, yo commencer Chita pour les positions. Même gens satisfaits dans le dialogue là de manière informelle, évidemment, les mêmes secteurs yo encore une fois invités autour de dialogue formel. Et ça qui est informel, moi je vous le dis déjà, c'est l'envoi des correspondances officielles par le Premier ministre. Et ça qui est plus important, je vous dis, dériver autour de enjeux sociaux, autour de enjeux politiques et économiques, moins une entente entre Haïtiens, pour nous dire véritablement, au moins pour les trois prochaines années, mais ce qui ça nous entend, pour nous rendre pays à gouvernable et pour que nous délivrions marchandises socio-économiques que la population attend. C'est finalité, si tu t'attendais à ça, okay. Au-delà de toutes tes querelles de chapelle, mais je veux dire à ça qui est important, c'est Haïti. Et pour que Haïti prioritaire tout bon, il faut que moi je dis, même si j'ai un problème particulier avec Romanes, même si mon problème particulier avec Salomon Sétué, dès lors qu'il s'agit de faire pays à marcher, comme font des passements, comme Chita avec Romanes, je dis Romanes, pas finissant mon nom, mais comme c'est moi qui ai responsabilité pour faire qu'il soit marché, pour faire qu'il soit pays, pour faire qu'il soit pour mon équipe mal, mon cher, même contre moi-même, même contre ma volonté, m'obliger à plier certains bagailles, m'obliger à faire des concessions pour nous chita, pour nous entendre nous. Naturellement. Il y a des bagailles qui ont été faites, je ne suis pas d'accord. On a commencé par les deux avant. Et m'a entré dans la conscience, m'a dit mon cher, et moi comprendre, comme effectivement nous devons agir en responsable, mais qui j'en, moi-même, m'a abordé des questions, de telle sorte que de part et d'autre, confiance dans lui-même l'y établit, et nous dit, même le nous continuer pas finir mais yon l'autre, mais c'est pas l'amour yon l'autre qui a parlé non, mais c'est l'amour société, y a l'amour pays, y a l'amour tout le monde à la ronde bade, au-delà de notre petite personne, au-delà de notre ego. Donc c'est là que nous y est, nous dans le chapitre Haïti, dans le chapitre dépassement de soi, et il est clair que tout acteur yo gain intérêt, tout le monde qui est dans le pouvoir, tout le monde qui est dans l'opposition, que nous chita entre nous, sans moun pas tirer les oreilles nous, sans étranger pas entrer dans la question, nous chita entre nous, au moins pour une fois dans l'histoire de ce pays, et pour nous poser les problèmes du fond, pour nous résoudre les problèmes du fond. Moïse Jean-Charles, pendant le secteur démocratique et populaire, là, l'idée, j'ai une invitation tout? Toutes les invitations sont en instance d'envoi dans le moment que nous avons parlé là. Okay. Toutes les invitations. Et comme dialogue là inclusif, tout le monde là-dedans, tout secteur là-dedans, famille Lavalas là-dedans, tout le monde a pour recevoir justement invitation officielle de la part du Premier ministre là, qui tâche que librement, comme nous sommes en démocratie, nous répondons de la manière que nous estimons la plus correcte. Et à ce moment, le Premier ministre là a fait le devoir pour le réagir une fois encore. Parce que ça qui est plus important, c'est river joindre une concertation, river joindre un consensus pour que nous retirions le pays dans tout pour des nouvelles dans le moment que nous avons parlé là. Ok, ça veut dire, j'aime comprendre là, ou à dire si c'est comme ça lié. Yo écrit et parti politique yo secteur yo après ça tout yo même y a pour yo écrit PM nan avant même nous bayon date non, pour non, commencer non alors certainement qu'un différent secteur qui déjà
Chita déjà. Ah bon, ok. Notamment des mondes de la société civile, des organisations de la société civile, et différents partis, eux-mêmes tout, qui dans le dynamique dialogue là. Et dans le moment même qu'on a parlé là, parlant de la société civile, dans les 10 départements du pays, il y a une pile structure organisée qui appropriée de logique dialogue là. Qui commence à approprier de pacte de gouvernabilité. Là. Alors, question de discrétion, nous sommes en politique, nous pas obligés de dire ça qu'on est, mais présentement, nous, dans la dynamique Chita, avec des structures organisées qui invitent nous pour que les débats qui fait autour de pacte de gouvernabilité. Là. Voilà pourquoi on va, excusez-moi, comme c'est Radio Mégam, t'obliger à répondre quand même okay. aux populations entendues de quoi il en est par rapport au dialogue. Mais présentement, il y a des structures d'arrosé civil que m'obliger à faire petit balai ensemble avec eux, non, non, Premier ministre. Non, parce que nous avons soif ça, nous avons attendu que les leaders joignent en entente. Ce qui est important pour eux, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la stabilité politique. Et c'est des mouns qui n'ont pouvoir, des mouns qui n'ont opposition, qui, dans le contexte historique que nous vivons là, qui ont responsabilité pour nous chiter à l'entendre, pour nous dialoguer et pour nous aller de l'avant. Okay. Donc, merci beaucoup. Moi, je pense que dans les heures qui viennent, il y a d'autres nouvelles qui sont très importantes pour nous annoncer par rapport au dialogue. Et c'est à toujours le même désir. Pascal, répond la dernière question ça pour nous avant aller net. Secteur démocratique là t'es dit à Chita vrai, mais faut mandat président ta autour des discussions yo. Il y a mettez ça dans lettre vous ba nous hein. Et à ce qu'il paraît oui. Cependant, nous sommes en démocratie. Ou qu'on est démocratie à quelque part les gens qui j'en parle. Donc il est question de mandat, il est question de durée de mandat. Là, nous sommes dans le cadre démocratique. Okay. Mais même démocratie à tout, bah, chaque monde liberté pour que yo exprime opinion. Yo. Donc personne pas capable de tenir personne libre par rapport à une opinion qui exprime. Mais l'essentiel, peu importe opinion personnelle, moi, peu importe opinion personnelle ou même peu importe opinion personnelle, chaque monde bon grain bagaille qui rite. C'est nécessité pour ne pas dire obligation. Pour que nous chita, pour nous dialoguer et pour nous résoudre les problèmes de fond. Les problèmes de fond, nous connaissons déjà, c'est surtout des problèmes socio-économiques. Et pour nous résoudre les problèmes socio-économiques, nous devons faire effort pour que nous rendions le pays stable politiquement. Donc, le dialogue là lui-même, c'est plus qu'une nécessité, c'est une obligation. Et il est clair que chaque acteur, titre pour notre pouvoir, titre pour notre opposition, pour une responsabilité. Pour faire des passements, pour aller plus loin que vous-même, sans comprendre, ça égo dire et la dire, pour qu'on dise, je dis, c'est chapitre Haïtia, c'est la dernière qui dans le livre-là, et fond l'île dans l'intérêt chaque citoyen, chaque citoyenne. Merci beaucoup. En forme, merci en pile, Pascal Adrien. À moi de vous remercier. Pascal Adrien, porte-parole, Premier ministre, Jean-Henri Seyan, mesdames, messieurs, avec nous avons fait parler là pour nous garder qui ça dialogue là. Vous prenez obligé de respecter ça. Nous avons tout demandé ça bilan, mais il était clair avec moi. Il était dit, Romanes, je ne peux pas parler de bilan. Justement, nous avons une bonne opportunité pour me parler de dialogue là. Finalement, dialogue là, t'as semblé l'ouvrir tout bon vrai. Hein, tout bon vrai dialogue là l'ouvrit ici entre différents secteurs yo on demandé Pascal Adrien ça faut me poser la question ça pour me connaître Nelson McKinley est-ce que tout bon vrai secteur démocratique et populaire yo mandé hein pour mandat président ta autour ta sous table en un moment même y a dialogué ya c'est-à-dire est-ce qu'il y a mandé pour président aller. Il était important tout le monde connaît est-ce que Moïse Jean-Charles joue une lettre pour dialogue ça est-ce que l'Apchitane beaucoup connaît mais toujours est-il n'a pas beaucoup de pause Mackenley on prend un petit coup de pause n'a pas tourné d'aller Haïti chéri pour lui-même tout lui poser deux conditions pour Yoshita parler avec exécutif là Chita parler vraiment pour qu'on connaît